Stéphane Guy critique le jeu du PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Stéphane Guy, les gars. Stéphane Guy, commentateur, vedette, il fut un temps pour Canal Plus, maintenant pour RMC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Stéphane Guy critique le jeu du PSG. Selon lui, le jeu du PSG est ennuyant. Ça ne date pas de maintenant. Depuis que Laurent Blanc a quitté le PSG n'a plus vraiment eu un football de grande qualité. Après Laurent Blanc, Emery a essayé de venir faire ce qu'il pouvait. Après Emery, le reste là, c'est parti vraiment en sucette. C'est parti en sucette. Thomas Tuchel, il n'y avait plus le jeu. Il faisait jouer Marquinhos en 6. Bref, le contenu était déjà presque vide. Sous l'ère Pochettino, c'est là où vraiment on misait déjà sur Neymar et Mbappé. Après, quand Messi est arrivé, on misait maintenant sur les trois. Donc, depuis peut-être 3 ou 4 ans, le PSG n'a plus vraiment eu un football, un fond de jeu. Ça repose uniquement sur les stars de devant. À l'époque, c'était Neymar et Mbappé. Maintenant, c'est le trio. Ou bien Messi et Mbappé quand Neymar n'est pas là. Donc, le PSG n'a plus vraiment eu un football de qualité depuis Laurent Blanc. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le PSG ne pas plus loin en Coupe d'Europe parce que ça repose trop sur des individualités. Il n'y a pas de collectif. Le collectif est vide. Le collectif est vide, donc ça ne me surprend pas. Après, s'ils veulent conquérir l'Europe, le PSG doit vraiment changer son modèle parce que son modèle a trop de failles. C'est-à-dire se reposer sur les stars, sur les trois de devant. Ça a trop de failles, les gars. En Ligue des Champions, on l'a encore vu que lorsque le niveau augmente, lorsque l'intensité augmente, franchement, le PSG s'écroule. Le PSG n'a plus de répondant. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Moi, je suis d'accord avec Stéphane Guy, mais en même temps, ce n'est pas un problème qui date de maintenant. Comme je l'ai dit, si le PSG veut évoluer, il doit vraiment changer ce problème. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.